totalement dépendant. Mais je pense que j'aurais du mal à relever cette dépendance parce que finalement, j'ai pris mon compte, je suis un homme vraiment comblé, heureux sur la route, comme beaucoup ici. C'est certainement le moyen le plus complet pour moi pour trouver le bonheur. J'ai la chance de partager une falaise avec mon épouse en dehors. Donc, c'est mon épouse. Oui. Est-ce que la médecine a été intéressée de ton exploit compte tenu de son caractère unique? Je pense qu'il y avait au niveau cardiaque, articulaire, ligament. On verra peut-être dans les mois qui viennent des articles dans des revues spécialisées. Ben pour l'instant, non, pas trop de demandes de ce côté-là. J'avais toujours dit que j'étais prêt à répondre à toutes ces questions, à suivre des protocoles ou à emmagasiner des données. Bon, on ne l'a pas demandé. Juste, je le fais pour moi, donc tout ce qui est au niveau enregistrement, pulsation cardiaque, j'ai fait tous les jours, 260 jours, donc on a pu les analyser. L'alimentation, j'ai tout conservé, donc on a piloté. La tension artérielle aussi tous les matins, donc on a tout ça. Seulement, on n'a pas été plus loin, par exemple, dans l'évolution de la composition sanguine, des choses comme ça, on ne l'a pas fait parce que, d'abord, on n'a pas les moyens de conserver les échantillons, ce qui serait compliqué. Mais pourquoi pas pour une autre fois, c'est vrai qu'on pourrait essayer de faire quelque chose, si on pouvait faire avancer, je ne sais pas dans quoi. Mais dans la mesure que ce n'est pas traumatisant, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez biais, c'est-à-dire qu'une prise de sang, je peux me trouver mal. C'est rare que ça. Donc il faut que ça soit comme quelque chose de soft pour moi. Mais pourquoi pas pour une prochaine, oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de choses concrètes à faire. Ah non, je n'ai pas mon corps.